الحمد لله رب العالمين الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي في هذه الليلة المباركة وليلتنا هذه هي الليلة 27 من شهر ربيع الأول لعام 41,400 للهجرة الموافقة 23 من شهر نوفمبر لعام 19,000. نحمد الله عز وجل على أن يسر لنا الجلوس في بيت من بيوته لنشر المصحف بين أيدينا لتلاوة كلامه عز وجل ولتدبره وذكر معانيه أو شيء من معانيه. وكنا قد بدأنا تفسير سورة الماعون في الدرس السابق وما زلنا بصدد الحديث عنها، ولعل الله عز وجل أن يوفقنا حتى نختمها هذه الليلة بإذنه سبحانه وتعالى. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 27e nuit du mois de Rabi al-Awwal 1441, c'est-à-dire le 23 novembre 2019. J'ai l'impression que quand j'ai fait la muqaddima, j'ai pas fini la shahada. J'ai dit ashhadu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. J'ai pas dit Rasulullah. Ça vous a pas assis? Je ne sais pas, depuis tard, ça me chatouille dans le cerveau. On fera un replay. Ashhadu anna Muhammadan, sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah. Moi, je dis wa alihi wa ashabi ajma'in. Taïb, nous sommes donc dans la 27e nuit du mois de Rabi al-Awwal, c'est-à-dire le 23 novembre 2019. Et comme chaque samedi soir, grâce à Allah Azza wa Jal, nous avons l'immense privilège de pouvoir nous asseoir, nous réunir dans une des demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de pouvoir lire sa parole. Et nous avons pu, grâce à lui subhanahu wa ta'ala, la semaine dernière, débuter l'exégèse du chapitre coranique intitulé Al-Ma'un. Jusqu'à présent, on n'a pas encore détruit. Lapsus révélateur. N'espérons que ce ne soit pas le cas. On n'a pas encore traduit le titre de cette sourate-là, vu que le nom en question arrivera à la fin de la sourate. À la fin de la sourate. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Et on a quelques sourates dans le Coran comme ça, مِنْ بَابِ الْفَائِدَةِ, dont le nom de la sourate est le dernier mot de la sourate. الْمَاعُونَ وَحْدَخْرَ وَحَدِي عَرِفْ Younes. Shu'ara, non plus. Al-Nas, Ahsant, min al-Jinnati wa al-Nas. Wahdokhra, c'est pas Shu'ara. Parce que Shu'ara, c'est dans l'avant-dernier verset. Wa Shu'ara, ou yattabi'uhum ul-ghawuna, lam tara annahum fi kulli wadi yahimun ila akhiri. Mais c'est pas le dernier mot. Wahdokhra, fi awakhir, al-Suwar, al-A'la, la. Suhuf Ibrahim ou Musa. Al-Falaq, la. من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى ومن شر حاسد إلى حسد. أيوة. شنو يا؟ تبت يدا أحسنت. المسد. سورة المسد. ها في جيدها حبل من مسد. Ça c'est pas vraiment des choses importantes à connaître avec le Coran. لكن معرفتك لها يدل على عنايتك بالقرآن. Le fait, ce n'est pas des choses qui sont très importantes à connaître. Lakin, quand tu les connais, ça prouve que tu donnes de l'intérêt à tout ce qui touche au Coran. Les sourates qui commencent par des interrogations, par des verbes, par le tasbih, par Alhamd, ou bien qui finissent par un nom, ou bien par le nom de la sourate. Tout ça, les ulama y ont prêté attention. Tout ça. Et comme je vous l'ai dit, un des livres qui réunit toutes ces choses-là, Al-Itqan, de Suyuti. Ça, la mahida anhu. Qat. Et kulli man ya'tani bi'ulum al-Qur'an, la yastaghni abadan an mithli hadha al-kitab. Yajibu iqtina'uhu
والعكوف والعزوم عليه ليل نهار. طبعا بعد القرآن. Toute personne qui aspire et qui estime s'intéresser au Coran, toute personne qui veut en savoir le plus, ne peut pas se passer de ce livre-là. Al-Itqan fi ulum al-Qur'an de Jalal al-Din al-Suyuti rahimahullah ta'ala. Et ce livre-là, il est assez dakhm, min al-mutawwalat, c'est un livre assez développé. Hudhiba wa ikhtasar. Il a été réduit, il a été résumé, il a été essoré en arabe. Hein. Et en français, il a été traduit. Et on a la traduction de l'essorage du résumé. Yarhamukallah. Shahid, c'est que toutes ces choses-là, voilà, c'est des choses qui ne sont pas très importantes dans le cas où si on les ignore, ce n'est pas un mal. Là, si on les connaît, c'est un bien. Donc on a vu surat al-Ma'un, les premiers versets, Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Donc on a expliqué qu'il s'agissait d'une interrogation derrière laquelle se cachait une exclamation, ta'ajjub. Ala ta'ajjab mimman yukadhibu bid-din. Vas-tu t'étonner mimman sha'nuhu takdhibuhu bil jaza'i wal hisabi mustamirran ala hadha at-takdhib. Vas-tu t'étonner de cette personne-là qui ne cesse de ne pas croire au jugement dernier et à la rétribution de nos actes. Quelqu'un qui ne croit pas tout le temps sur cette chose-là, c'est qu'il mérite à ce qu'on s'étonne de son cas. Et cette personne-là, elle se caractérise par différents points. فذلك الذي يدع اليتيم فهذا الذي يدفع احق الناس بان يرحم وبان يرأف وبان يتلطف له وهو ذاك الصبي الذي لم يبلغ بعد ومات ابوه يدفعه دفعا عنيفا دفعا قويا حسياً ومعنوياً. Celui-là là, qui ne croit pas en la résurrection, ni au jugement, ni à la rétribution, c'est le même. Celui qui ose être violent envers la personne qui mérite le plus qu'on soit doux et compatissant envers lui, l'orphelin, cet enfant qui n'est pas encore pubère et qui a perdu son père. Il le repousse violemment, brutalement, physiquement et au sens propre et au sens figuré. ولا يحض على طعام المسكين. Et en plus de cela, لا يحث غيره على إطعام المحتاج الذي لا يملك من هذه الدنيا إلا قليلا أو لا يملك منها شيئا. Et en plus de cela, il n'incite pas à nourrir le pauvre qui ne possède rien, qui est dans le besoin. بالإضافة إلى كونه لا يقوم بإطعامه بنفسه لا يحث غيره على ذلك بل لسان حاله يقول لو أن الناس كلهم امتنعوا عن إطعام المسكين لكان ذلك خير وأفضل. وعليكم السلام. C'est-à-dire, en plus de ne pas nourrir le pauvre, il n'incite pas à le nourrir. Et indirectement, c'est comme s'il disait, si personne ne le faisait, ce serait encore mieux. Puis on s'est arrêté à qawluhu tabaraka wa ta'ala fawailul lil musallin. Qulna an al wail kalimatun yurad biha al zajr wa al tahdid wal wa'id al shadid. Wa in kana kalamu akthari ahli al ilmi bil tafsir أن هذه الكلمة اسم لواد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه وقد علقنا على هذا القول بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى. Donc الويل, c'est donc un terme employé en arabe qui exprime la colère, le reproche, le mécontentement, la menace à l'égard de celui qui suit, même si certains savants nous disent que c'est le nom d'un fleuve en enfer qui est très profond et très nauséabond et qui est en fait le résultat, la somme
de toutes les sécrétions qui sortent du corps de l'homme en enfer. Mais on avait dit que la vie, le premier, était plus juste et Allah Ta'ala, c'est mieux. Donc ici, fa. Le fa, les tafri'a. Donc il y a un lien. Le tafarra, celui-là qui a ces trois caractéristiques-là, ne croit pas en la résurrection, ni au jugement, ni à la rétribution, ne repousse l'orphelin brutalement et n'incite pas à ce qu'on nourrisse les pauvres et les indigents. Donc celui-là, Hada, comme il n'a pas de foi au jour dernier, il n'a pas de motivation pour faire les bonnes actions. Et on avait fait le lien justement بين الإيمان باليوم الآخر والقيام بالعمل الصالح. فالوازع الذي يدفع المرء على أن يجتهد في هذا الأمر هو إيمانه باليوم الآخر. فكلما قوي إيمانه بهذا اليوم اشتد عزمه وقام بالاجتهاد والإكثار من هذه الأعمال. On avait donc évoqué le lien qu'il y avait entre la foi dans le jour dernier et la motivation, le moteur qui te pousse à faire les actions vertueuses et pieuses. Et que plus ta foi en ce jour est grande, plus tu accompliras les actions vertueuses aisément. Et l'inverse aussi, il est réel. C'est-à-dire que si ta foi au jour du jugement elle est faible, alors tu ne seras pas motivé pour faire des actions vertueuses. Donc cela... Malheur à qui? Al-Musalli, c'est celui qui fait la prière. Al-Musalli. Et on avait expliqué la semaine dernière que dans le Coran, Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans la plupart des versets, quand tu leur donnes de faire la prière, il dit Aqimis Salah. Ou bien Aqimus Salah. C'est-à-dire, fait que la prière tienne debout sur elle-même, d'elle-même. Comme lorsque l'on bâtit un mur. Et là, il dit Fawailul lil-Musallin. Wana. أشرت إلى خلاف العلماء في تعيين تاريخ نزول هذه السورة وقلت أن خلافهم يدور بين ثلاثة أقوال فالقول الأول أن السورة مكية نزلت قبل الهجرة والقول الثاني أنها مدنية نزلت بعد الهجرة والقول الثالث أنها ممزوجة بآيات نزلت في العهد المكي وأخر نزلت في العهد المدني ومحل النزاع هذه الآية لأنها تشير إلى المنافقين ولا وجود لهم في العهد المكي وإنما بدأوا يظهرون بعد غزوة إيش؟ بدر بعد غزوة بدر إذن لذلك اختلفوا كيف يكون للمنافقين ذكر في سورة مكية لا وجود لهم بين الناس آنذاك فلذلك اضطر القائلون بكونها مكية إلى تأويلها والذين قالوا بأنها مدنية لم يحتاجوا إلى تأويلها وحملوها على ظاهرها والقائلون بأن السورة تتكون من آيات نزلت في العهد المكي وأخرى في العهد المدني قالوا الأمر في غاية السهولة فالآيات الأول تفضل الآيات الأول من السورة نزلت في العهد المكي ومن قوله تعالى فويل للمصلين إلى تمام السورة نزلت في العهد المدني. Je vous avais dit, j'avais fait une allusion sans m'arrêter dessus, sur le fait que les savants ont divergé sur le moment dans lequel la sourate a été révélée. Comment il s'appelle comment ça? Est-ce que c'est Ayman? Non, c'est pas Ayman. Là-bas, là. Qu'est-ce que tu fais pour téléphone? Hein? Ah, ça répond pas à ma question. Que tu l'aies éteint, c'est une bonne chose. Après, tout dépend ce que tu faisais avec. Hein? Approche, approche. J'entends pas ce que tu dis. On crie pas dans la mosquée, approche. Viens, viens, viens. Et à tes potes aussi, viens avec toi. Venez, venez là. Tous les trois. Approchez. Si vous venez pas, je vais venir vous chercher. Attends, allez, venez.
Je vais pas vous taper, vous inquiétez pas. Je suis pas méchant. Allez, approchez, approchez. Parce que je vous vois pas, déjà, c'est tout au fond, je vois pas vos têtes. En plus de ça, j'entends pas ce que vous dites. Et je lisse. Et je lisse. On s'assoit. Là, on recommence. Ah, là, je vois vos têtes. Là, je vous reconnais. Taïb. Une chose très simple. Regardez-moi quand je vous parle. Très simple. Moi, je n'impose à personne de participer ou d'assister au cours. Si vous ne voulez pas y assister, restez au fond là-bas avec vos téléphones, ce n'est pas une bonne chose à faire. Donc si vous voulez regarder vos téléphones, vous allez ailleurs. Si vous voulez rester ici, vous écoutez. Et si vous écoutez, vous approchez et vous ne faites pas autre chose. D'accord? Après, comme je vous dis, si vous voulez faire autre chose, libre à vous. Je n'impose à personne de rester. Okay? Par contre, quand on est à la mosquée, déjà on ne crie pas. Quand tu es loin, tu veux me parler, t'approches. Tu ne cries pas. Ensuite, tu ne regardes pas ton téléphone. Une fois, ici, c'était, je crois que c'était un vendredi, ou je ne sais plus. C'est pas moi qui faisais la khutbah, c'était Cheikh Ammar. Et je me dirigeais là-haut, là-bas, là, dans la véranda, et j'ai vu un garçon qui jouait avec son téléphone à un jeu. Un jeu de voiture ou là, un jeu de je sais pas quoi. Alors j'ai voulu lui prendre comme ça, il a des pinces de homard. Tu peux pas lui enlever le téléphone. Il était scotché, soudé à ses doigts. Spider-Man, il s'accroche pas aussi bien au mur que lui à son téléphone, à mon avis. Et il m'a regardé de travers. Il a dit, ouais, il y a des pickpockets à la mosquée ou quoi? Après, je fais, c'est pas un endroit pour jouer au téléphone ici. Après, il m'a dit, ouais, mais il m'aurait dit, j'en parlerai à mon cheval, ça aurait été la même. Après, je lui ai dit, tu sais, je suis qui, moi? Il dit, non. Je sais, c'est moi qui crie dans le micro tous les jours. C'est moi, lui-même. Et là, son regard, il a changé. Donc, si les gens ici n'écoutent que lui-même, et encore, alors l'imam il va leur parler. D'accord? Après, c'est plus facile de parler avec des enfants qu'avec des adultes. Parce que les adultes, des fois, ils sont. Hein? Ils le prennent mal. Mais moi, je vous ai dit, hein, si Allah Ta'ala il nous laisse ensemble pendant 10 ans encore, dans 10 ans, je vais m'attaquer aux grands aussi. Quand j'aurai 50 ans, c'est fini ça. C'est fini. Les kibir, les sirir, m'dorfé. Là, aujourd'hui, avec les grands, allez, vas-y, mais dans 10 ans, si Allah nous permet de rester ensemble et de rester vivant surtout, ce sera plus pareil. Et then, moi je dis ça aux trois là, aux trois mousquetaires là. Riri, Fifi et Loulou. Je ne sais pas si vous avez connu Riri, Fifi et Loulou, non? Ben non, ils ne connaissent pas. Je le dis à eux, mais je le dis aux autres aussi. Hein? Vous savez, يقولون الذكي الفاطن هو الذي يعتبر بغيره والأحمق هو الذي يعتبر به غيره. Vous savez, c'est ça une sagesse. L'intelligent, c'est celui qui tire morale des autres. Il voit ce qui se passe. L'autre, il fait, ah oui, il ne faut pas que je fasse la même bêtise. Qu'est-ce qu'il y a? C'est là-bas. Tu ouvres la porte, et quand tu pars, tu la fermes derrière toi, tu montes les escaliers, tu vois tout droit, il y aura les toilettes. Et l'intelligence, c'est celui qui tire exemple, qui prend exemple des autres, pour ne pas tomber dans les mêmes pièges. Le fou, c'est celui qui sert d'exemple aux autres. N'attend pas de servir d'exemple aux autres. Mais quand je sois pas comme les gens. Comme les gens ils font. T'as vu un tel ce qui lui est arrivé? Fais attention à pas tomber, à pas faire comme. Yeden. Il y a un Ayman parmi vous trois, non? C'est pas toi là-bas? Ah, je me disais bien qu'il y a Ayman. Avec vous trois. Lui du milieu, je ne le connais pas. Je l'ai déjà vu une fois ou deux, je m'en souviens plus. L'autre là-bas aussi, je me rappelle de lui. Là. Attention, hein.
طيب. On a dit les ulama, ils ont divergé sur justement le moment où cette sourate a été révélée. Est-ce qu'elle a été révélée à la Mecque avant l'immigration du prophète à Médine, ou bien après son immigration donc à Médine, ou une partie à la Mecque, une partie à Médine. Et pourquoi est-ce qu'ils ont divergé à, entre guillemets, à cause de ce verset. Fawailul lil musallin. Parce que ce verset, il fait référence aux hypocrites. Les hypocrites n'existaient pas à la Mecque. Il n'y en avait pas. Tous les musulmans de la Mecque sont des salihines, des mukhlisines, sans aucun doute. Et à Médine, donc au départ, il y avait l'Ansar, tout allait bien. Puis, il y a eu la bataille de Badr. Et la bataille de Badr, quand les musulmans ont eu le dessus sur Quraysh, alors certains mouchriquins de Médine se sont dit, il vaut peut-être mieux se convertir à l'islam, parce que si ça continue comme ça, le prophète et ses compagnons vont finir par avoir le dessus totalement, et si on n'est pas avec eux, alors on aura des problèmes. Et donc ils ont montré l'islam et gardé la mécréance en eux. Et donc, ce verset, il s'adresse à eux. Donc, si la sourate, elle est mécoise, comment ça peut être eux? C'est pour ça que ceux qui ont dit que la sourate était mécoise ont été obligés d'interpréter le verset. Fawailul lil musallin. Comment l'interpréter ici? Kaifa yakunu ta'wilu hadhihi al-aya? Min al-ma'lumi an al-arab kanat tusalli li'alihatiha wa kanat tasumu laha wa kanat تنحر لها فكون الله عز وجل لم يعين المصلى له في هذه الآية ولم يبين الفرق بين مجرد الصلاة وإقامتها كما فعل في الآيات الأخرى دل على أن المقصود بالمصلين في هذه الآية كل من صلى لغير الله سبحانه وتعالى. Donc ils ont dit que dans ce verset, Allah il a dit l'il-musallin. Sans dire prier envers qui? Prier qui? Et on sait bien que les Arabes avant l'islam, ces polythéistes, paganistes, associateurs, adoraient autre qu'Allah Azza wa Jal. Ils priaient autre que lui. Ils invoquaient autre que lui. Ils sacrifiaient pour autre que lui. Il jeûnait pour autre que lui, il a réglé d'Alik, et ainsi de suite. Et donc ici, comme la sourate fait référence à celui qui ne croit pas en la résurrection, Wabitali est aussi à celui qui ne prie pas Allah Azza wa Jal. Fawailul lil musallin. Ni Allah Azza wa Jal n'a mentionné celui qu'on prie, ni Allah Azza wa Jal n'a défini, n'a parlé de la prière ici comme il en parle dans la plupart des versets du Coran. Quand il parle, iqamatu salah. Iqamatu as-salah. Par exemple, quand vous prenez dans surat Al-Ma'arij, Allah Azza wa Jalla dit, inna l'insana khuliqa halu'a, idha massahu sharru jazu'a, wa idha massahu al-khayru manu'a, illa al-musallim. الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم الآيات وبدا المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى غير ذلك. الله تعالى يقول دي مصلين وبين دي الذين يصلون il y a toujours avec des caractéristiques qui les distinguent des autres مصلين. Là on sait de quel مصلين on parle. المؤمنون الخاشعون الصادقون. Les pieux, les vertueux, les sincère et véridique. Ici, Allah il parle des musallim et pas des mêmes, c'est des autres. Et pour indiquer la distinction, la différence, il les décrit. Fahaula il musallun laysu kal musallin al-akharin al-madhkurin fi baqiyat al-Qur'an. Ces prieurs là ne sont pas comme les autres prieurs évoqués dans le Coran. Donc, ils ont dit si ce ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas les croyants. Même s'ils prient leur fausse divinité, ils prient. Et donc, هكذا يخرجون من الإشكال الواردي في
في هذه الآية. Et ainsi, il s'extirpe, il sort du problème évoqué avec ce verset, car en apparence, il fait référence aux hypocrites. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الناس. Et là, la sourate entièrement sera mécoise et ne concernera, entre autres, que les mouchriquins des Arabes de l'époque. Car toutes ces caractéristiques-là se retrouvent en eux. Ensuite, on a dit Qawlu al-akharin alladhina yarawna bimadaniyati as-surah kulliha. Ceux qui voient que la sourate est médinoise entière, ils ont dit Ayatou. نزلت في المنافقين وغيرها من السورة أو غيرها من آيات السورة. Donc ceux qui disent que la sourate elle est médinoise, ils ont dit que le verset concerne les hypocrites et que à ce moment-là pas besoin d'interpréter, de lui donner un sens autre que ce qui vient à l'esprit. Il a ri et ils m'ont fait penser tes copains là un truc que je faisais quand j'étais petit. Parce qu'ils sont partis chacun d'une porte différente. Les autres, je ne les avais pas grillés. Quand j'étais petit, j'étais en 6e, je voulais aller à Carrefour. On allait à Carrefour avec mes copains, mais on n'avait pas le droit de rentrer. Parce qu'il fallait un adulte avec soi. Alors on avait une technique, c'était le cas 5. On rentrait en même temps et chacun il prenait une direction différente. Ça, le vigile, il ne pouvait pas nous attraper tous en même temps. Alors il en coursait un et puis nous, on allait se cacher dans les rayons. Pour machine à laver, puis à la fin il avait perdu le premier, et puis on se retrouvait dans le rayon des chips et des gâteaux. Là, ils m'ont fait le même coup. Ouais. Il y en a, il s'est levé, il est parti à droite, et pendant qu'il le regardait, l'autre il est parti à gauche. Imen, il y aurait une porte là-bas, tu serais parti par là-bas, non? La haraj, comme on dit, il faut bien que jeunesse se fasse. Au Qatar, ils ont mis des trampolines dans les mosquées, vous avez vu ou pas? Base. Nassim, c'est quoi on investit dans les métropoles? Cache-toi. J'ai vu une vidéo. Ils ont mis un grand trampoline. Jamais. Encore le trampoline serait loin. N'golo Bid, mais Ajosh Moussali, N'golo, peut-être. Et encore. Non, ils sont là. N'kzo, qu'il maïs. Ils sont là en train de sauter comme des chèvres. Et les gens, ils sont en train de faire la prière. J'ai bon un clown, il va nous faire du bahlawani, le bahlawani. Wala hawla wala quwwata illa billah. Idan fawail lil musallin. طيب تكلمنا ايضا عن الايه التي بعدها الذين هم عن صلاتهم ساهون. On avait aussi parlé du verset suivant, ceux donc qui sont négligents dans leur prière. On a dit négligent, même si à la base saha ça veut dire être distrait. السهو بمعنى الذهول عن أمر معلوم. C'est le fait d'oublier, de délaisser quelque chose qu'on connaît. C'est pas d'oublier une chose jusqu'à ne plus la connaître. C'est une chose que tu connais. Mais que cette chose que tu connais, pendant un moment, tu la maîtrises plus. هذا هو السهو. On avait dit que هذا الفعل سها يسهو يتعدى بحرفين وباعتبار الحرف يتغير المعنى. On a dit que ce verbe là saha yasuhu était transitif par le biais d'une préposition, de deux prépositions, et en fonction de la préposition qui servira à la transition, on aura deux sens opposés. Saha fi, c'est être distrait sans le vouloir, involontairement. Saha an, c'est négliger. C'est une distraction qui est le fruit de la négligence. Alors que sahafi, c'est une distraction qui est le fruit de l'oubli. Donc sahafi, quand c'est le fruit de l'oubli, ce n'est pas de ta faute, tu ne le contrôles pas. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Donc Allah Ta'ala ne sévit pas à l'égard de ceux qui se trompent ou oublient. Donc si la distraction est due à l'oubli, alors elle est pardonnée. Elle ne t'est pas reprochée. Mais si la distraction est due
à la négligence, là elle t'est reprochée. الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقلنا ذكرنا عدة أقوال في تعيين المراد، وكما أننا ذكرنا أن المقصود هو تأخير الصلاة، تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر شرعي، لأن تأخير الصلاة قد يكون يرحمك الله مطلوبا في بعض الأحيان كاشتداد الحر، عندما يشتد الحر في وقت الظهيرة يستحب تأخير الظهر إلى قبيل آخر وقتها، وكذلك المستحب تأخير العشاء إلى آخر الثلث الأول من الليل، هذا وقته المفضل المستحب. في بعض الأحيان يستحب تأخير الصلاة طبعا بغير الخروج عن وقتها. Donc on avait dit que ça faisait référence au fait de sortir, de retarder la prière de son heure sans aucune excuse valable. Et là il y a trois choses à dire concernant le fait de retarder la prière. Dans certains cas c'est légiféré et recommandé de faire la prière légèrement après le début de son heure. Les fuqaha yuqassimun awqat as-salati ila thalathati aqsam. Wa hadha laysa ala sabil al-itlaq. Fa al-waqt al-awwal yusamma bi waqt at-tashri' wa thammata waqt ikhtiyar wa thammata waqt darura. ووقت الضرورة بحسب المذاهب وبحسب الصلوات المعروف أو المنصوص عنه في مذهب الإمام أحمد أن صلاة العصر وصلاة العشاء لهما وقت ضرورة دون غيرهما من الصلوات، أما بقية الصلوات فليس لهن إلا وقت تشريع ووقت اختيار. Donc il y a certaines prières qu'il est recommandé de retarder à un certain point, à un certain moment, bien entendu sans sortir de son heure. On a la prière de l'Asr, la prière de Dhuhr lorsqu'il fait très chaud. Lorsqu'il fait très chaud, alors il est recommandé, comme j'ai dit, abridou bis salah, d'attendre que la température baisse, même si ce n'est pas longtemps avant l'Asr que la température baisse, et de faire la prière de Dhuhr lorsque le temps est plus supportable. C'est recommandé quand il fait très chaud. On a aussi pour la prière de l'Isha le hadith dans Sahihain, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté chez lui longtemps après l'Adhan. « Hatta raqad an-nas » jusqu'à ce que les gens s'endorment dans la mosquée. Donc Omar ibn Khattab radiyallahu anhu dhahaba fa qara'a baba wa qala ya rasulallah raqada an-nas. Il a dit au messager d'Allah, les gens se sont endormis. Le rasoul sallallahu alayhi wa sallam est sorti, il avait les cheveux mouillés wa fi ra'sihi ibalal fa qala walladhi nafsi bi yadihi innahu lawaqtaha lawla an ashqa 'ala ummati aw 'an ummati. Wa kana dhalika fi akhir ath-thuluth al-awwal min al-layl. Et donc quand Omar il a averti le prophète que les gens se sont endormis, en fait il avait les cheveux mouillés et il se dirigeait vers la mosquée en disant par celui dont mon âme est dans sa main, c'est son heure, sœur de l'Isha, l'heure de l'Isha, c'est son heure, le moment où je suis là, si ce n'était une difficulté pour ma communauté, si je ne craignais pas que ce ne soit une difficulté pour ma communauté, alors j'aurais fait l'Isha cette heure-ci. C'était à la fin du premier tiers de la nuit. À la fin du premier tiers de la nuit. Comme on sait, chez la majorité des ulama, la fin de l'Isha, c'est Nisfoulay. Nisf, la moitié de la nuit. Comme on sait, c'est quoi la moitié de la nuit? Tu prends le Ghuroub, tu prends le Fajr, et tu divises par deux. Donc le nombre d'heures qu'il y aura entre le Fajr, plutôt le Maghreb et le Fajr, tu le divises par deux. Donc c'est facile, tu prends 17 heures jusqu'à 24 heures et à 7 heures. Le Fajr, il est à 7 heures.
Kriben, ça fait 14 heures. On a une nuit qui dure 14 heures. Donc à minuit, c'est Nisfoulay. C'est Nisfoulay, c'est la moitié de la nuit, c'est la fin de l'Isha. Après, il y a certaines écoles qui donnent un temps supplémentaire à la prière de l'Isha entre la moitié de la nuit et le Fajr. Ce temps-là, on l'appelle Waqtu Darura. Ça veut dire que si tu n'as pas pu prier l'Isha du début de son heure jusqu'à la moitié de la nuit, alors tu pourras prier l'Isha dans ce qui reste de la nuit. Mais ce waqt darura n'est que pour al-muztar, celui qui est dans la darura. Celui qui n'est pas muztar, il n'a pas le droit de prier dans ce moment-là, il sera athée, il sera dans le péché. Donc ça on a dit c'était le ta'khir al-mustahab, le retard de la prière, le fait de retarder la prière de façon légiférée, recommandée, toujours sans sortir de son heure. Puis, قلنا من غير عذر شرعي فهناك أعذار تسمح لمن أخر الصلاة إذا تلبس بها. Je veux bien comprendre. C'est qu'il existe des excuses si jamais on les a accomplies, ces actions-là, jusqu'à ces excuses-là, alors elles nous excuseront d'avoir sorti la prière de son heure. D'avoir sorti la prière de son heure. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها بعد ذلك. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم quiconque dort sur une prière, c'est-à-dire que pendant qu'il dort, l'heure de la prière sort. أو نسيها, ou l'a oublié. Il a oublié, ça arrive des fois. T'es là, t'es occupé, t'es en train de discuter, de manger. Surtout aujourd'hui, entre Dhuhr et l'Asr, il y a 2 heures. Très bref. Tu vas faire les courses, t'arrives à la maison, il est 13 heures. Après, madame, elle prépare à manger. Tu manges à 1h30. Puis tu manges, alhamdoukallah, avec la famille, avec les enfants, ça discute et ça rigole et ça mange, il a akhiri. Tu vois l'heure, tu dis, oh, Allahu Akbar, c'est l'Asr, on n'a pas fait le Dhuhr, on a oublié. Donc, celui qui dort jusqu'à ce que l'heure de la prière sorte, ou qui oublie jusqu'à ce que l'heure de la prière sorte, il est excusé. Qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il doit prier quand il se réveille, ou bien quand il se souvient. Il n'aura pas d'autre expiation que ça. La kaffarata lahu ba'da dhalika. Il ne peut pas réparer cet oubli, ce retard de la prière, autrement qu'en priant au moment où il s'en souvient, ou bien au moment où il se réveille. Après, bien entendu, pour celui qui s'endort, c'est celui qui a fait les causes pour se réveiller. Pas wahad, il fait une nuit blanche devant la dernière saison de sa série préférée, puis une demi-heure avant Sobh, il se dit quoi? Tranquille, un petit sommeil vite fait, ça va, je vais pas me faire avoir, je se réveille les 14 heures. Hein? On va dire, je me suis endormi. Là. À la kulihal. Donc là, on a vu le ta'akhir al-mashrou' et le ta'akhir al-ma'adour. On a vu le retard de la prière légiférée, et le retard de la prière, excusé. Après, les ulama yatawassa'oun fi bayan al-a'dhar fi kutubi al-fiqh. Wala majala lana fi dhikriha li kathratiha. Moi, je vous ai évoqué un hadith avec 2 excuses, l'oubli et le sommeil. Mais sachez que dans les livres de fiqh, les ulama, ils évoquent beaucoup plus d'excuses que cela. Beaucoup plus. Donc, je vous invite à y retourner si vous avez à la maison des livres de fiqh. D'accord? Je m'arrêterai là. Parce que, en vrai, même si vous avez des livres de fiqh à la maison, vous n'avez rien à faire avec. Vous n'avez rien à faire avec. Parce que vous allez faire quoi avec un livre de fiqh? Je vais lire tout seul dedans, et puis je vais appliquer tout seul? Non. Illa an takuna faqihan. Ou an yakuna ladayka
الآلات التي بها تستطيع فهم هذه الكتب. فنعم، فحينئذ نعم. Avoir un livre, c'est une bonne chose. Mais pas savoir s'en servir, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que lire, comprendre tout seul et appliquer, c'est pas possible ça. C'est d'ailleurs pour ça que les fuqaha yata'ammaduna at-ta'qid al-alfaz hatta la yatamakkan al-qari' min fahmi al-maqsoud wa yadhtar ila an yarji'a ila man yubayyinu lahu al-murad. Quand vous lisez dans les livres de fiqh, c'est des énigmes. Des énigmes. C'est des mots que tu ne peux pas comprendre tout seul. Même si tu es arabophone, même si tu comprends l'arabe, les phrases ont été formulées de façon à ce que tu ne puisses pas lire le livre tout seul. Et si tu lis tout seul, tu ne comprends rien. Et ainsi, tu es obligé de retourner à quelqu'un pour te l'expliquer. يقولون عن بعض كتب الفقه كمختصر الخليل في الفقه المالكي أن هذا الكتاب أشبه ما يكون بالألغاز. Il y en a, ils disent que par un des livres les plus compliqués dans le fiqh, c'est Mukhtasar al-Khalil, rahmatullah alayhi, dans le Madhab al-Malik. Et ce livre-là, c'est un livre d'énigmes. Tu le lis tout seul, tu ne comprends rien. Si tu n'as pas un faqih mutamakkin, il t'explique ce qu'il y a dedans, mais tu fais mwalou. Wa hakada fi baqiyat al-Madhab. Et c'est pareil dans les autres livres. C'est pareil. C'est comme si tu as vu des fois dans l'époque, dans les livres ou les films qu'on a pu lire ou regarder quand on était jeune. Les explorateurs, comme Indiana Jones, tu te rappelles Indiana Jones, il avait une carte comme ça, c'était marqué dessus, lorsque le dragon se mordra la queue devant la sirène, alors le coq chantera. J'ai dit n'importe quoi. Là. Mais, finalement, t'étais comme ça, et lui il expliquait le dragon, il se rappelait d'un temple dans l'Amazonie avec un dragon sur la porte. Quand tu mettais la tête devant la queue, la porte s'ouvrait, et puis après il y avait. Du coup, après il y a un coq. Des énigmes. Ça, l'al-raz. L'ours, c'est le pluriel de l'ours. Ça, des al-raz. Des fois, dans les kutubs de fiqh, c'est des al-raz. Tu comprends rien. Il a qaddam le fi'l sur le fa'il et le mubtada sur le khabar. Et qu'est-ce que ça veut dire? De quoi ça s'agit? Hein? Et donc, ne crois pas, ah c'est bon, j'ai un livre à la maison, j'ai acheté un à Maktaba la dernière fois. Mashallah, Cheikh, il a fait un livre de fiqh. Mashallah pour lui et Mashallah pour les étudiants. Toi, non. Toi, c'est Inch'Allah, c'est pas Mashallah, toi. D'accord? Toi, c'est Inch'Allah, t'atloub l'ilm, t'atallam le fiqh, après t'akra hadi le kutu. Amma, t'es chez toi tout seul, tu connais, tu... non, tu lis pas des livres comme ça. Tadakkar kalam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, man kana shuyukhuhu kutubahu, kana khata'uhu akthara min sawabihi. Celui qui a comme professeur ses livres se trompera plus qu'il n'aura raison. Et là, ces mini chouyouch là qui sortent de nulle part aujourd'hui, ils sont comme ça. Il est là, il va sur Internet, il achète un ou deux livres à droite à gauche, puis il vient à la mosquée, asbaha muftiyan. Il devient mufti. Haram, halal, yajouz, mayajouz, bid'a, sunna. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Voilà, il y a un cheikh. Du Maroc, un ulama al-qira'at. Alakum tisma'un bi shaykh Nabulsi, hafidhahullah ta'ala. Hada shaykh, wallah, il parlait de la tariqa, ce qu'on appelle le madaris al-atiqa au Maroc. Les écoles anciennes, avec l'ancien programme. Tu rentres là-bas, tu as 7 ans. T'en sors 30 ans après. T'apprends entre 20 et 30 livres par cœur. Le Coran, ça y est, c'est fini. Le Coran, des fois dans plusieurs qira'at, des moutons et des mandoumats, on veut tu en voilà. Hawahad, il apprend maqamat al-hariri. Je ne sais pas si il arrive maqamat al-hariri, c'est quelque chose. Il y a une fajr al-dimar, عند qira'at, مثل هذه الكتاب, مثل هذه الكتب. Ça, c'est le genre de livre. Tu lis, ton cerveau, il explose. Il dégouline par tes oreilles. Il apprend par cœur. Ils apprennent un mandoma dans le sul fiqh chez le madhab de l'imam Malik. Je crois que c'est le shadou salik, si je ne me trompe pas. Ils apprennent des mandomates dans tous les founoun. Al-Fiyab al-Malik, Maraqis al-Su'ud, al-Sulam al-Mu'al, comment dire
المنورق سلم المنورق جمع الجوامع دي كتب tu sais quoi ce livre là ils les apprennent par cœur des poèmes avec 1000 vers pendant 30 ans ils en apprennent entre 20 et 30 et tu sais comment on l'appelle après tout ça talib talib هنا جزء عما أربع النووية العلامة الفقيه المفسر ولا يعرف الكوع من البوع مشكلة والله مشكلة عظيمة إساس الطريقة من أنفع وأحسن الطرق بس كلا أبخون وطالب علم التواضع ألو أبخون أغيستي أمبا أغيستي أمبا Je ne vous parle même pas de Silka quand ils apprennent, quand ils écrivent le Coran entièrement, min awwalihi ila akhirihi, de leurs mains. Ma cheikh tara ou les juges, des fois, ashra marrat, 10 fois, t'imagines-toi, recopier le Coran entièrement de tête 10 fois. Ça, c'est dans une riwaya, ça. Wash al nafi'. Et des fois, attention, il était fannanoun fi mitri hadi, al-umur. Il va te dire wash al nafi'. عن طريق الأصبهاني ورش عن نافع عن طريق الأزرق خيزوا دي طرق لأوجه الطرق جوا تقول القرآن كم من شيخ ومغاك سبل السحابي السحابي بالسين ما تعرفوه كذلك من أعلم الناس في قراءة القرآن هذا الشيخ هذا العالم هذا إلى 10 وجه دون الليكتور دو ورش غير ورش 10 وجه ديفيرون إلى لأسانيد العالية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الروايات. Et c'est lui qui a les chaînes de transmission les plus courtes dans ces lectures-là dans toute la planète. Et les chouyoukh et talabat al-ilm de tous les pays musulmans, ils viennent tous au Maroc pour apprendre sur lui ces qira'at-là. Ah, le Maghreb, les gens ne savent pas les ulama de leur pays. Et ils disent, nous n'avons pas les ulama, nous. Allah. Les Maghrébins, ماشي غير المغاربة المغاربة يعني المغاربة بصفة عامة أقصد في الجزائر وفي تونس وفي ليبيا وفي المالي وفي السنغال وفي تشاد وفي هذه البلدان كلها حافلة بالعلماء والحمد لله لكنهم يحبون الخمول وعدم الظهور فلذلك يجب أن تبحث عنهم dans nos pays والحمد لله au Maghreb تفضل حبيبي تفضل Au Maghreb et même en Afrique centrale, il y a des ulama. Et wallah, Chinqit, en Mauritanie, ou le Tachouya, et à côté, au Mali. Parce que Shana Keta, c'est pas seulement en Mauritanie. Hein. Tu en trouves dans le sud de l'Algérie, tu en trouves aussi en dessous. C'est quoi? C'est le Niger qui est en dessous de l'Algérie. Niger. Niger, Khata al Mali, le Sénégal, ces pays-là, pareil. Tu vas là-bas, tu vois des gens. Wallah, moi, je vous exagère pas. Hein. Généralement, les tollabs de ces pays-là, quand ils vont en Arabie, dans les Jami'at, voilà, ils s'ennuient. Ils s'ennuient. Ils arrivent là-bas, ils sont plus forts que le prof. Ils sont plus forts que le prof. Nous savons un des tollab de Marrakech, il s'appelle Abdelrahim Al-Qawouj. Il est jeune, il doit avoir 45-50 ans maximum. Il arrive à Médine, ils l'ont mis prof dans Deras Al-Uliya en arabe. Il était plus fort que les profs. Il était plus fort que les profs. Il avait étudié dans le sud du Maroc et aussi à Chinqit. Parce que c'est une voie qadima jiddan. Ha hadhihi at-tariqa allati kanu 'alayha min qabl. Ma ghayyaru wa ma baddalu. Parce que la manhajia, la façon d'étudier qu'ils ont là-bas, elle n'a pas changé. Sah, sa'iba, c'est vrai qu'elle est dure. Walakinaha tuntij. Elle donne des fruits. Elle donne des fruits. Des fois, il y a des jeunes qui me disent « Ouais, akhi, j'ai envie d'aller en Arabie, j'arrive pas. » Je dis « T'es quoi, toi ? Marocain ? Va au Maroc. T'es Algérien ? Va en Algérie. T'es Mauritanien ? Va en Mauritanie. Va dans ton pays, sahbi, va. Allez, je me suis bidé, allez. » Quand tu dis ça, les gens disent « Ouais, le frère, il dénigre Médine. » Ce que vous ne savez pas, c'est que cette Jami'a qui est à Médine, elle est faite pour les étrangers. Donc déjà, le programme, il est adapté. Comment tu peux adapter toi un programme à 100 nationalités différentes? Comment tu fais?
Dans le fiqh, ils leur font étudier Bidayatul Mujtahid d'Ibn Rushd al-Maliki. Subhanallah. Ça, c'est un livre, c'est le Muntaha, ça. Ça, c'est un livre de fiqh qu'on étudie à la fin, qu'on a fait des années de fiqh. Lui, il vient, il a appris l'arabe un peu pendant 2 ans, après, il lui donne ça. C'est pas ma'akoul, ça. C'est pas ma'akoul, abadan. Abadan. Bon, après, chacun, il jtahid, hein, fait tandem. Chacun, il voit quel programme proposer. Là, ça fait des années, on voit qu'il n'y a pas de natija. Il n'y a pas de résultat. Le vrai talent, c'est le hifd. Tu apprends par cœur. Pendant des années. Et tu lis sur les mashaykhs. Il n'y a que ça qui marche. Maintenant, tu t'assois dans une école avec la clim, des écrans, comment ça s'appelle, internet et tout ça. قال روى مسلم في صحيحه عن يحيى ابن أبي كثير رحمه الله تعالى أنه قال لا ينال هذا العلم براحة الجسد. Cette science ne s'obtient pas avec la paix du corps. يعني je suis bien. لا أتعب. Je me fatigue pas. Je m'assois sur une chaise avec le dossier rembourré. Par terre, comme vous. Bon, moi, j'ai coché. Oui. Et faut s'asseoir par terre. Faut avoir mal au dos. Faut pas trouver la bonne position. Faut se courber le dos. Faut écrire. Faut recopier. Faut réciter. Faut répéter. Faut apprendre. Faut réviser. C'est ça, l'ilm. C'est ça. Si tu fais pas ça, c'est pas pour toi. Laisse-le aux autres. Alta. اجلس في هذه المجالس وانتفع ببركتها. Toi, assiste à ces assises-là et profite de la baraka qu'Allah il y fait descendre. هم الجلساء لا يشقى جالسون. Ce sont ceux qui s'assoient et chez lesquels il n'y a aucun qui sera malheureux. Le simple fait d'être là suffit pour ton bonheur. لكن لما انت الداعية que tu prétendes que tu sois un طالب علم. Faut arrêter. Exactement, barakallahu fik. C'est pas moi, je viens, j'ai réussi à mettre un 7-0 à mon fils au ping-pong. Je vais m'inscrire en championnat du monde, je vais jouer avec les pros. C'est eux vont me faire un 7000-0, vont me faire. C'est la même chose. Tu les vois, ils font des entraînements jour après jour, des trucs de malade. Je suis tombé sur une vidéo. Bon, moi aussi, je regarde des vidéos, t'as vu. Où il y avait l'entraînement de Mike Tyson. Moi, j'ai appris une chose en regardant cette vidéo, c'est que tu dures 3 minutes. J'ai appris une chose, c'est que les boxeurs, ils se musclent le cou. Comme ça, s'ils se prennent une droite, un crochet ou autre, ils ne se prennent pas un KO. Et lui, il avait une technique spéciale pour se muscler le cou. C'est-à-dire, il faisait le pont. Quand tu fais le pont, tu mets tes mains derrière comme ça. Lui, il mettait sa tête. Il faisait ça sur sa tête comme ça. Et pendant 10 minutes, il faisait ça. Tout le poids de son corps, il reposait sur sa nuque. Pendant 10 minutes, il faisait ça. Comme ça, pendant 10 minutes. Mais il faut voir la position. Moi, si je la fais, je me fais un lambago, je me casse quelque chose. 10 minutes à ça. 10 minutes. Et donc, durant toute la journée, hein, sur les 24 heures, il y en avait une quinzaine que l'entraînement. Corde à sauter, des ponts, des. C'est comme ça, des dabs, des labs, ou des jabs. Les dabs, c'est quand ils font comme ça là. Et voilà, j'ai jamais compris ce truc du dab, moi. Moi, j'étais en voiture comme ça, il y a des petits jouent sur la route. Donc j'avance, je fais un petit coup de klaxon pour qu'ils se poussent. Alors ils se poussent comme ça, ils me laissent passer. Il y a un petit, il me regarde comme ça, vraiment. Je regarde comme ça, puis il me fait. J'ai pas compris. Pourquoi? Et en plus, il était fier à la fin, genre, qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Je sais pas, nous à l'époque, on aurait fait un salto arrière ou là. Lui là, on dirait, il a fait un truc de malade, on dirait, c'est nul ton truc. Il y en a un, il m'a dit, double, 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 double. Et après, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Voilà, je pensais pas que aussi vite on allait être déphasé des jeunes, je pensais pas, voilà. Je pensais vraiment pas que. Pourtant, moi, je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai joué dans la rue ici, je suis un petit de la cité. Je pensais vraiment pas
que les générations, il y a un écart aussi grand entre les générations alors qu'il n'y a pas beaucoup de temps qui est passé. C'est comment tu dis du jab, c'est ça? Voilà. Donc, ceux qui connaissent la boxe, c'est des exercices de pendant je ne sais pas combien de temps avec le. Comment ça s'appelle la boule là? Le poids? La poire. Ah. Ah, Golem Jazan Narf. Oui, voilà un entraînement de malade. De malade. Cours des kilomètres, il faut de la corde à sauter pendant une heure. Une heure. 10 minutes, tu vomis. Non, on fait une heure. Une heure et ici et ça, ici et ça. Résultat, champion du monde. Poids lourd, voilà. Voilà. Et un secret, est-ce qu'il s'est réveillé un matin après avoir pris ses cornflakes? Il dit, tiens, je vais faire les championnats du monde et sans s'entraîner. Ça marche pas. Ça marche pas. Et bien, comme on le conçoit et on le comprend et on l'entend dans des choses aussi évidentes, pourquoi on ne veut pas le comprendre dans les rimes? Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas. Oui. Donc, je disais que les fuqaha, dans les livres de fiqh, il y a un bab qui s'appelle Salatu Ahlil A'dar. La prière des excusés, des gens qui ont des excuses. Donc soit la prière sera adaptée à la personne qui a une certaine excuse, ou soit on lui permettra de prier la prière à un moment où quelqu'un qui n'a pas ses excuses ne pourra pas la faire. Alladhina hum an salatihim sahun. Donc on a dit an tahaddathna an ta'diyati al-fi'li bi'an wa bi fi. Donc on a expliqué la transition du verbe avec la préposition an et la préposition fi. Et comme quoi, lorsque la préposition changeait, eh bien, elle amenait une différence dans le sens du verbe. Comme rariba an et rariba fi, saha an et saha fi. C'est le même verbe. Mais à cause de la préposition, on aura un sens différent. Et là, donc, on parle de ceux qui négligent la prière jusqu'à la faire sortir de son temps sans excuse valable. بغير عذر شرعي. وهذه من صفات المنافق. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. Le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam, voici la prière de l'hypocrite, voici la prière de l'hypocrite, voici la prière de l'hypocrite. Il l'a répété trois fois. Montrer la gravité de la chose. Pourquoi les sahaba, radiallahu anhum, leurs oreilles elles se tendent et là, ils veulent savoir comment elle est pour ne pas que leur prière elle y ressemble. C'est ça le but. Yajlisu yarqubu shams. Il s'assoit, il observe le soleil, il le surveille. Hatta idha kanat bayna qarnay ash-shaytan. Jusqu'à ce que le soleil se retrouve entre les cornes du diable. Et là, on comprend qu'il fait référence à la prière de l'Asr. Tout à l'heure, j'ai dit, je ne sais pas si j'ai dit en français ou en arabe, que la prière de l'Asr, elle a ce qu'on appelle le waqtu darura. Elle a un temps d'extrême urgence. C'est-à-dire que la prière de l'Asr doit être accomplie avant ce dernier délai. C'est quoi? C'est inda al-isfirar. Lorsque le soleil, il se jaunit. C'est à peu près en fonction des saisons et de l'endroit où on se trouve, une heure ou trois quarts d'heure avant le coucher du soleil. Quand le soleil il a une teinte bien jaune. À ce moment-là, il se couche entre les cornes du diable. Et à ce moment-là, les prières surérogatoires sont interdites. Chez le Jumhur, mutlaqan. Sawa an kanat min zawati al-asbab ou min ghayriha. Et à ce moment-là, ça fait partie des moments où la prière surérogatoire n'est plus permise. Lorsque le soleil se lève entre les cornes de Shaytan, et se couche entre les cornes de Shaytan et inda zawal, et aussi lors du point de culmination,
On m'a fait dernièrement la réflexion comme quoi le zénith n'était pas le meilleur terme pour traduire az-zawal. Et que le mieux était de dire le point de culmination. C'est-à-dire le point où le soleil est le plus haut dans la moitié de sa course de la journée. À ce moment-là, pourquoi c'est interdit de faire la nawafil? Wahdi Arif? Ça c'est pour Toulou al-Shams ou Ghouroubi, hein? علاش علة أخرى وكوا محفوظ لا تروحي لكلكا وجهي ها لا الشياطين هذا في طلوع الشمس وغروبها أما الزوال فلأنه هو وقت تسعر فيه نار جهنم كنت تعرف ولا لا نو c'est le moment où le feu de l'enfer, il est attisé lors de du Zawal. À la Kulihad. À ce moment-là, donc, on ne fait pas de prière surérogatoire. On revient à l'Asr. Donc, ça nous indique la prière à laquelle il fait référence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la prière de l'Asr. La prière de l'Asr. Pourtant, dans un hadith, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, man salla raka'atan min al-Asri qabla ghurub al-shams faqad salla al-Asr. Ou comme a dit alayhi sallatu wa sallam. كيف الجمع بين هذين الحديثين لذلك حديث صلى الله عليه وسلم celui qui a fait une raka'a de l'asr avant le coucher du soleil il a fait l'asr donc comment faire le lien entre ce qu'on vient de dire et la fameuse prière de l'hypocrite celui qui reste assis comme ça fait rien du tout et il attend malgré ça le dernier moment de la prière pour faire la prière dans ce hadith il ne parle pas de celui qui prie l'asr après le ghuroub après le coucher du soleil, mazal maghrabat al-shams. Le soleil ne s'est pas encore couché. Hada farir khalin min al-ashghal allati tashghaluhu an ada'i as-salati fi awwal waqtiha. Celui-là, il est libre. Il n'est pas occupé par quoi que ce soit qui l'empêcherait de faire la prière au début de l'heure. Ma 'ando ma yedir. Il n'a rien à faire. Et là, je répète, on parle de l'asr. On parle de l'asr. L'asr spécial. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, Hafizou ala salawati wa salati al-wusta. La prière médiane, la prière de l'asr, inda akthar al-ulama. Parce que donc l'asr, il a ce waqt daroura. Si je n'ai pas pu faire la prière de l'asr au début de l'heure, ni après, tout ce qui me reste, moi, c'est la fin. Inda sfirar al-shams fi waqt daroura. Hina idhin, al-hadith al-thani yantabiqu alay. À ce moment-là, le deuxième hadith, il s'applique sur moi. Man salla raka'atan min al-asr qabla ghurub al-shams faqad salla faqad adraka al-asr. Là, le hadith, le suivant, il s'applique sur moi. Celui qui aura fait une raka'a d'al-asr avant le coucher du soleil, hada, il a fait l'asr. Ça, c'est quand vraiment il a pu faire autrement. Il ne peut pas faire autrement. Hada, il peut à la fin du temps. À la fin du temps. Amma celui qui n'a rien à faire, yajlis, yarqoub al-shams, il regarde le soleil comme ça. T'imagines, il y a tellement ma'andou ma'idir, tellement m'sali, il n'a rien à faire, il est là, regarde le soleil. Il est beau ce soleil là. Il est là, regarde le soleil, il n'a rien à faire. Et à la fin, hatta idha kanat bayna qarnay ash-shaytan, jusqu'à ce que quand le soleil se trouve entre les deux cornes de Shaytan, alors, yaqumu yanquruha naqara yanquru naqran wa huwa kinayatun an harakati ad-dik aw ad-dajaja 'inda akliha 'inda iltiqatiha al-hubub. Al-naqra en arabe, c'est comme ça qu'on exprime, qu'on indique le mouvement de l'oiseau, du poulet ou bien du coq ou de la poule, hein, qui picore. On dit en français picorer. Une poule sur un mur. Qui picore ou là, qui picote? Tu sais pas? Tu connais pas? Vous faites quoi à l'école, vous? Mais à quoi vous jouez dans la récréation? Vous faites quoi? Ils sont là sur leur téléphone. Nous, à la récréation, on chantait des chansons bizarres, mais on les chantait. Une poule sur un mur qui picote du pain dur. Ouais. Donc picoter et picorer. C'est quand l'oiseau, il picote comme ça de son bec les graines qu'on lui donne à manger. Naqara, yanquruha naqran, yanquru arba'an. Regarde, donc là imagine l'oiseau
le poulet, la vache, la poule, le coq, hein, qui picote le pain ou les graines. Ben lui, quand il prie comme ça. Yanquru arba'an. Qar, 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 qar. Naam. Je t'en prie. Donc, yanquruha arba'an. Il fait quatre. Bak, bak, bak. Bak, bak, ayu, bak, bik. Tu connais ce fi'al là? Fi'al sahih là. Bak, 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 til, dajaja. Bak, bak, ça veut dire... comment on dit en français? Cacté, Hassent. Cacté. Aïe. Et oui. Donc on a des verbes spéciaux pour indiquer comment. T'imagines, regarde la langue arabe, comment elle est quand même. On a un verbe pour t'expliquer comment l'oiseau il picore sa graine. Et on a même un verbe qui nous dit comment le bruit que la poule a fait quand elle fait son bakbaka. عجيب هذه اللغة والله طيب إذن ينقرها أربعا il pique la tête وجه التشبيه faut comprendre ici la comparaison parce que la poule l'oiseau quand il picore c'est rapide c'est bref il descend il prend la graine il remonte hop direct ça veut dire quoi هذا المنافق عندما يصلي لا عندما يضع جبهته ساجدا لا يمكث ساجدا إلا وقتا قليلا جدا. Quand il se prosterne, lorsqu'il pose son front sur le sol, il ne reste qu'un temps très très infime, un laps de temps minime. ونعلم et on sait que من شروط أو من أركان الصلاة الطمأنينة بحيث يعود كل عضو مكانه. تفضل تفضل. Parmi les piliers de la prière, il y a la sérénité. Quand tu pries, chaque fois que tu passes d'un pilier à un autre, tu dois laisser chaque membre de ton corps revenir à sa place. J'ai fait sunan, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yutilu al-julus bayna as-sajdatayn hatta yukhayyala ila an-nas annahu qad nasi. Sahaba radiallahu anhu me disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait tellement longtemps assis entre les deux prosternations qu'il se demandait s'il n'avait pas oublié. Ça, tu le fais aujourd'hui, tu entends 10 secondes. Subhanallah. Hein? Bon, des fois, j'ai envie de. Hamamtu an a'mala bihadihi sunna. Fatulukuha makhafata iftitani nas. Bon, des fois, j'ai envie d'appliquer cette sunna. Entre les deux, jalsa, entre les deux sujouds, je reste tranquille. Rabbi Afirli. Rabbi Afirli. Voilà, on devrait le dire comme ça. C'est pas un Rabbi Afirli, Rabbi Afirli, Rabbi Afirli. Puis tes positions partent dans tous les sens comme ça. Après, on enchaîne. Ah, tu vas avec. On prie. Après, des fois, quand tu restes un peu trop assis, il y a des alamat. Il y a des alamat, il y a des al-a'imma. Ces signes-là, les imams, ils les connaissent. Quand quelqu'un il tousse un peu trop, quand quelqu'un fait des bruits bizarres, on te dit, hey, oh, ça fait un peu trop longtemps là. Oui. C'est comme quand certains hadiths, pour Al-Dhuhr et Al-Asr, les Sahaba ils disaient, le Nabi Sassim il commençait la prière. Il y a trop le fils Salah. Il allait faire ses besoins, comme le Choubaï demain. Vous allez loin. Il y a M. Yakdi Hajata, vous faisiez ses besoins, et Stenji, et Stenjmir, puis il revenait. Faisait les ablutions, puis venait, yalhaqou, raka'at al-oula. Il partait, faisait ses ablutions, revenait, il avait encore la première raka'a. C'est Dhuhr al-Asr, ça. T'imagines, toi, aujourd'hui, tu fais ça? Hein? J'arrive à aller, il est majnoun al-oula. Hein? Il est fou, celui-là. Oui. Et là, on revient à had al-munafiq, had. Sallallahu alayhi wa sallam, min al-nifaq. Wallahi, ahbab. La yakhsha al-nifaqa illa mukhlis. ولا يطمئن منه الا منافق. L'hypocrisie ne la craint qu'un mukhlis et ne se sent à l'abri d'elle qu'un hypocrite. Et des fois des gens ils viennent te voir et te disent j'ai peur d'être hypocrite. Abshir lasta minhum. Sois tranquille, tu n'es pas parmi eux.
Il ne comprend pas. Subhanallah. Ça, c'est le calme Aïssabini, c'est le calme Hudhaifa ibn Yaman, radiallahu anhu. L'hypocrite, t'inquiète pas, il n'a pas ce genre de problème. Il dort tranquille. Il n'est pas chez nous en train de se dire, est-ce que je suis hypocrite? Non, il sait qu'il est hypocrite. Il le sait. Le mu'min, il a peur d'être hypocrite. Alors il ne sait pas s'il l'est. Et toujours il se remet en question. Et cette peur-là le préserve de l'hypocrisie. Amma, moi je mens, tranquille, bien, tout va bien. Ma chambre. Madame. فليحذر. إذن ينقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. طيب هذا سؤال وجيه جدا. Bonne question. كيفاش لا يذكر الله فيها إلا قليلا؟ Vous savez, ça c'est un تعبير. C'est un استثناء sur un نفي. Normalement, quand on fait une exception sur une négation, c'est pour exclure de la négation une partie. Mais dans certains cas, c'est pour indiquer le néant. Le néant, l'absence totale de choses. En l'occurrence, pour les munafiqins. Quand Allah Ta'ala dit « Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila » Bien ici, en fait, quand Allah il nous dit « Il n'évoque Allah que très peu », il ne faut pas que tu comprennes qu'ils évoquent Allah un peu. Là, il ne l'évoque pas du tout. Pas du tout. وكذلك في هذا الحديث لا يذكر الله فيها إلا قليلا هذا القليل يعني شبه المعدوم لا يحتاج إليه وجوده كعدمه ce peu là il est comme le néant son absence est égale à sa présence ou sa présence est égale à son absence elle ne vaut rien parce que quand quelqu'un qui pose sa tête sur le sol en guise de prosternation et se relève de la même façon qu'une vulgaire poule qui picore, comment il évoque Allah Azza wa Jalla dans ça? Comment? Pourtant, les fuqaha nous disent que aqall al-wajib fi ar-ruku' wa as-sujud tasbih wahid. Ça c'est chez ceux qui voient que le tasbih dans le ruku' et as-sujud est obligatoire. Hada mahal khilaf bayna al-fuqaha aidan. Ash-shahid c'est que quand tu fais le ruku' tu dis subhana rabbi al-azim une fois aqall al-wajib. C'est le minimum obligatoire. Après, le kamal, c'est trois fois. Que ce soit dans le sujoud ou dans le ruku'. Hada, comment est-ce qu'il peut dire ce minimum-là avec un temps de prosternation aussi court, aussi bref? Et then, al-wasfu dhikrihi lillahi azza wa jalla bil-qillah yuradu bihi al-adam. Donc ici, quand Nabi Sassoum, il définit l'évocation de l'hypocrite d'Allah Azza wa Jal comme étant peu, en fait, c'est pour dire qu'elle est absente. Il n'y a pas. La yadkurullah. Ici, Allah Azza wa Jal dit فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Et donc, le munafiq, مِمَّا يَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ أَدَاءَ الصَّلَاةِ وَيَتَعَمَّدُ فِي تَأْخِيرِهَا عَنْ وَقْتِهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ ولا يطمئن في صلاته ولا يذكر الله تعالى في صلاته يعني حتى الأمور الواجبة التي ينبغي ذكرها في الصلاة لا يذكرها كقراءة الفاتحة ويعني التسبيح في الركوع والسجود والتشهد وما شبه ذلك donc cet hypocrite là quand il prie هذا ما le minimum obligatoire il le fait pas. Non seulement il la retarde de son temps sans aucune excuse, mais même son contenu, que ce soit physiquement ou verbalement, n'est pas respecté. Donc il ne respecte pas la prière dans le temps de son accomplissement, dans sa forme et dans ce qu'on y dit. Hadihi salatul munafiq, la prière de l'hypocrite. Wal munafiqu لا يصلي إلا ليراه الناس. L'hypocrite, il ne prie que pour que les gens le voient. لأنه استقر في أذهان الناس في هذا الزمان. طبعا أعني بالزمان الزمان الأولين. أن المؤمن
يصلي، أن المؤمن يصلي. وجاءت الأحاديث الكثيرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد بعض الناس جالسين في مؤخر المسجد وقد فرغوا من الصلاة، فسألهم: أمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم. ما منعكم أن تصلوا معنا؟ صلوا في صلينا في رحالنا. فنهاهم عن ذلك، نهاهم عن الجلوس وعدم الالتحاق بالمصلين رغم أنهم صلوا، حتى لا يلتبس على الناس الأمر. Et d'ailleurs, donc on a dit que parmi les caractéristiques des hypocrites, c'est le verset suivant: Alladhinahum yura'un. Ceux qui font les choses pour se faire voir. En français, l'ostentation. Mais ce n'est pas une bonne définition. C'est en français, surtout aujourd'hui, c'est un mot qu'on entend souvent: ostentatoire. L'ostentation, ou bien l'ostentatoire, c'est le fait d'être vu, d'être visible. Pas de faire les choses pour être vu. Elle est là la différence. C'est que moi, demain, je m'habille avec un vêtement vert, parce que j'aime bien le vert. Et je sors, et personne n'est habillé en vert. Donc automatiquement, ils vont me remarquer. Donc on dira que mon vêtement, il est ostentatoire, parce qu'il est visible. Pas parce que moi, je veux être vu. Donc l'ostentation, elle est dans le caractère visible de la personne ou de la chose, pas dans la raison qui va le pousser à faire la chose. C'est pour ça que الرياء والرياء هذا القرآن ندي رياء أو بيان ندي رياء ندي رياء بالهمزة بابلياء طبعا لغة فصيحة لا حرج فيهما ce sont deux façons de dire le mot correct qu'on dise رياء avec un ياء ou bien رياء avec une hamza, les deux sont bonnes. Mais le Coran, en tout cas, Biriwa de Hafs al-Asim, c'est bil hamza. Yura'un. Ra'a. Ra'a yura'i. Mura'atan wa ria'an. Wa ria'an. Ça veut dire se faire voir. À ne pas confondre avec une certaine expression française que l'on dit à des personnes quand elles nous énervent. Je vois vos expressions. Comment est-ce qu'il peut passer de ça à ça et n'arrive pas à suivre? Quand tu dis que quelqu'un va te faire voir, voir un petit peu de se faire voir, faire une chose pour qu'on nous voie, c'est ça ria, faire une chose pour qu'on nous voie. Et le munafiq, il fait pas ça pour qu'Allah le voie, subhanahu wa ta'ala. إنه لا يؤمن به أصلا خبأ لي على باز الذي دفعه إلى أن يدعي أنه من المسلمين وأنه يقوم بأعمالهم هو رغبته في منافعهم ورهبته مما قد يعود إليه بالضر أو بالضرر. Hypocrite, qu'est-ce qu'il pousse à donner l'argent, hein? وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Ils donnent leur argent. Munafiqun. Ils sortent avec le prophète Aslim pour combattre à ses côtés. يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ. Ils disent: si nous revenons à Médine. Pourquoi ils en sont sortis? Ils sont partis avec le prophète Aslim. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. الآيه. C'était le munafiqun aussi. C'était avec le prophète en voyage. Pourquoi? Du tourisme? Non, pour aller combattre. Pour la prière. Quand ils se lèvent prier, ils prient. Avec paresse, certes, mais ils prient. Ils font tout. Ils font tout. Et pourtant, c'est des munafiqs. Allah Azza wa Jalla n'accepte rien de leur part. Rien.
Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas les choses pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils les font pour les gens. Ils les font pour qu'on les voit. Comme ça, ils sont à l'abri de ce qu'ils craignent. Et ils peuvent profiter de ce qu'ils convoitent. Parce qu'ils ont vu que les musulmans commençaient à avoir le dessus, commençaient à avoir du pouvoir, commençaient à se répandre. Les gens commençaient à les accepter et se sont dit, écoute, si, on ne veut pas être des musulmans. Mais si on ne fait pas croire aux gens qu'on l'est, alors il va nous arriver des problèmes. Et ils ne veulent pas de problèmes. Et je vous l'ai dit, je ne cesserai de vous le répéter, les hypocrites apparaissent quand les musulmans sont en faiblesse. Et disparaissent quand les musulmans ils sont forts. Et quand je dis disparaître, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus là. Ils sont toujours là, mais ils sont cachés. Ils se cachent. Et qu'ils soient visibles ou invisibles, ya'maloun, hein, ils œuvrent les saddi an sabilillah. Leur but, c'est de servir d'obstacle au sentier d'Allah Azza wa Jal. Ne pas laisser les gens tranquilles. Faites attention, surtout dans une époque comme celle-ci. Ma aktharahum. Qu'est-ce qu'ils sont nombreux. Ala kulli hal. Alladhina hum yura'un. Ils se font voir. Mon affaire, il veut se faire voir. Il veut qu'on le voit être un musulman. C'est pour ça qu'Allah il a dit aux Bédouins, quand ils ont dit « Amanna »« Qalat al-A'rab Amanna » Les Bédouins ont dit « Nous croyons » Tu as dit non. Allah il a dit non. « Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna » Ne dites pas « Nous avons cru » Mais dites « Nous nous sommes soumis » Alash « Liannahum lamma qamu bi'a'mal al-islam dhannu annahum saru mu'minin haqqa wa balagu a'la maratib al-iman » فذكرهم الله عز وجل بأن الأمر ليس كما تتوقعون لأن القيام بالأعمال قد يقوم به حتى المنافق هذا في حد ذاته غير كاف لا بد بالانضمام إليه أمور أخرى هي قلبية إيمانية وتلك الأمور هي التي غابت عن قلوب المنافقين لقساوتها وصلابتها. Allah il a dit aux Bédouins qui commençaient à se vanter de leur entrée dans l'islam, nous sommes des croyants, nous croyons. Allah il a dit non. Dis-leur non. Dites, à la place de dire nous croyons, dites nous sommes soumis. Parce qu'eux, ils ont dit ça lorsqu'ils ont commencé à appliquer l'islam. Bon, c'est bon, on fait la prière, on fait le ramadan, on fait le pèlerinage, on jeûne, on est des croyants. Allah il a dit non. Ça, ces actions-là, tout le monde les fait. Al-barru al-fajir. Al-mukhlis al-sadiq wal-munafiq. Al-fasiq. Ces actions-là, tout le monde les fait, ces actions-là. Le pieux et le pervers. L'hypocrite et le sincère. Tout le monde les fait. C'est pas par elle qu'on peut déterminer la foi réelle et concrète de la personne. C'est avec d'autres actions qu'on fait avec le cœur. Mais comme le cœur de l'hypocrite, il est dur comme la pierre, comme l'acier, rien n'y rentre, rien ne le pénètre, alors, il faut qu'on voit ces actions-là chez vous. Et ainsi, la foi rentrera dans vos cœurs. Et la foi n'est pas encore rentrée dans vos cœurs, la vraie. Parce que cette foi-là, elle rentre dans le cœur avec les actes. Avec les actes. À long terme. Et pas n'importe lesquels. Et eux, ils veulent qu'on les voit. Regardez-nous, on prie comme vous. Comme dans le hadith, quand Allah Ta'ala, il nous parle des hypocrites, le jour de la résurrection, qu'ils chercheront de la lumière auprès des croyants. Tfadal. Ils diront, ils interpelleront les croyants après qu'on ait mis un mur entre eux, qui empêcheront les hypocrites de les suivre vers la lumière. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Ils les interpelleront. N'étions-nous pas avec vous? On était avec vous à la mosquée. On était avec vous au marché. On était avec vous dans la cité. On était avec vous dans la facilité et l'adversité. On était avec nous. Avec vous les musulmans. Nous étions nous aussi des musulmans.
Alam nakum ma'akum. C'est partout. Et là, on leur répond, ben là, oui. Kuntum ma'ana bi ajsadikum. Wa lam takunu ma'ana bi arwahikum wa qulubikum. Oui, c'est vrai. Vous étiez avec nous avec vos corps. Mais vous n'étiez pas avec vos cœurs. Vos cœurs étaient fermés, obstrués, scellés. Rien n'y entrait. Rien. Bala. Walakinnakum fatantum anfusakum. Mais vous avez préféré vous tenter vous-même. Lam tuftanu. Lam yaftinkum ghayrukum. Fatantum anfusakum. Vous n'avez pas été éprouvé ou tenté par d'autres. C'est vous-même qui vous êtes éprouvé. C'est vous-même qui vous êtes tenté. En choisissant de garder la mécréance dans vos cœurs et de montrer l'appartenance à l'islam. Wartabtum. Et vous doutiez. Le croyant n'a pas de doute. Innama al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih. Thumma lam yartabu. La rayba fi. La shakka wa la rayb. Les croyants, les vrais, sont ceux qui croient en Allah et en son messager, puis n'ont eu aucun doute. Al-yaqin al-jazim al-qati'. Une certitude absolue, indéfectible, infaillible, inébranlable. Le munafiq, mudhabdhib, comme wasafahu Allah azza wa jal. Mudhabdhabin bayna dhalik, la ilaha ula, wa la ilaha ula. Mudhabdhib, hésitant. Tu sais jamais il est avec qui? Il est avec les croyants? Ah non, il est avec les mécréants? Il est avec les gentils? Il est avec les méchants? Ou il est avec... Oh, avec qui t'es? On ne sait plus avec qui t'es à la fin. Quand les croyants ils sont forts, il est là. Alam nakum ma'akum. Kama ja'atil aya. Comme le verset le dit. Alladhina yatarabbasuna bikum. Fa in kana lakum fathum min Allah qalu. Alam nakum ma'akum. Ceux qui attendent, yatarabbasuna bikum, ils attendent. Ils restent dans un coin comme ça, ils attendent. Ils regardent. Quand il se passe, quand vous avez l'avantage, ils viennent vous voir en disant Alam nakum ma'akum. N'êtes-vous pas avec vous? وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Et si jamais c'est les mécréants qui ont le dessus et l'avantage, ils vont les voir. Alors on dit, ils leur disent, est-ce qu'on ne vous a pas mis en garde contre les croyants? Est-ce qu'on ne vous a pas protégé d'eux? Est-ce qu'on ne vous a pas expliqué comment les battre? En gros, ils espèrent gratter quelque chose. Donc ils veulent que les croyants les voient pour se préserver d'un mal au cas où ils craindraient un mal de leur part, comme ils veulent que les autres les voient pour obtenir de leur part un bien, si vraiment un bien est possible. Donc cette ostentation, cette faculté de vouloir se faire voir, elle réside dans la prière et dans le reste. J'ai fait le hadith, au Sahihain, أظن من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع سمع الله به ومن رأى أو من رأى يرائي الله به يرائي الله به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما المقصود بهذا الحديث؟ كما قال شراح الحديث كابن حجر والنووي رحمة الله عليهما الذي يعمل الأعمال لأجل أن يراه الناس جاء يوم القيامة وقد فضحه الله عز وجل وبين أمره للناس وبين كذبه وخداعه وجعله عرضة للسخرية والاستهزاء وذلك يوم القيامة حيث لا ينفع مال ولا بنون. من سمع من رفع صوته ليسمعه الناس لا ليسمعه الله عز وجل ومن عمل أي عمل ليراه الناس وهو يكمن في سويداء قلبه النفاق والشقاق وسوء الأخلاق هذا يوم القيامة لا يخفى على الله تعالى خداعه ويفضحه والناس ينظرون نعوذ بالله من الفضيحة يوم القيامة.
Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui se fait entendre, Allah le fera entendre le jour de la résurrection. Et celui qui se fait voir, Allah le fera voir le jour de la résurrection. Qu'est-ce que ça signifie? Celui qui lève la voix pour que les gens l'entendent, pas pour qu'Allah ne l'entende, subhanahu wa ta'ala. Allah le fera entendre le jour de la résurrection. Imagine, imagine. Le jour de la résurrection à tout le monde. À ton père, à ta mère et à tous ces gens que tu as connus ici-bas. Ceux qui t'appréciaient, qui te respectaient, qui t'honoraient. Ceux qui voyaient en toi quelqu'un de bien. Et Allah, il dira à tout le monde, écoutez-le, écoutez-le. Dis-leur maintenant, dis-leur. Pour qui tu faisais ça? Pour que les gens m'entendent. Donc Allah, il le fera entendre. On entendra parler de lui jour de la résurrection. Son affaire deviendra un scandale. Il dévoilera ses secrets à tout le monde. Yawma tubal as-sarair. Et celui qui se fait voir des gens, pareil, Allah, il le fera voir au jour de la résurrection. C'est lui là. Lui que vous pensiez qu'il était pieux et sincère. Lui que vous pensiez qu'il était le dernier des pervers. Lui, il ne faisait pas ça pour le Seigneur de l'univers. Il faisait cela pour que les gens le complimentent, l'apprécient. Il l'aime. Là, les gens, ils le verront sous son vrai jour. Le jour où les masques, ils tomberont. Tu ne peux pas tromper Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu peux tromper les gens, tromper qui tu veux. Mais Allah, tu ne le tromperas pas. Allah, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Nous, on ignore ce qu'il y a dans les cœurs des autres. Des fois, on ignore même ce qu'il y a dans nos propres cœurs à nous. Mais Allah, azza wa jalla, la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama. Rien ne lui est caché, ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Rien. Alladhina hum yura'un. Quand ils font leur prière, ils la font pour qu'on les voit. Et مسألة الرياء كثير من الناس يخطئون فهمها. Cette question de الرياء, il y a beaucoup de gens qui la comprennent mal. لا سيما الشباب منهم. Notamment les jeunes parmi eux. علاش? Parce que très souvent, des jeunes ils viennent me voir, moi ou autre, et ils disent, ouais, j'arrive à la mosquée, je commence à faire la prière et j'ai peur. J'ai peur de faire les choses pour les gens. J'ai peur que les gens me regardent. Et là, moi, avant, j'étais gentil. Je caressais dans le sens du poil. Maintenant, je lui fais comprendre. Arrête de croire que les gens te regardent. On fait tous la prière à la mosquée. Il n'y en a pas 99 qui sont là en train de regarder les gens faire la prière et deux qui viennent faire la prière. Là, tout le monde vient à la mosquée pour prier. Tout le monde. C'est pour ça que certains savants, ils ont dit, il n'y a pas de ria dans les actions obligatoires. Y a pas. Ce que tout le monde fait, il n'y a pas de ria dedans. Il n'y a pas de ria. Quel est le but, l'intérêt à ce que tu me montres que tu fais la prière? Moi aussi, je la fais. Parce que dans les différentes définitions de ria, parce que nous, aujourd'hui, les musulmans sont dans des circonstances différentes des musulmans de l'époque. Par exemple, en France, quand toi, tu vas faire les choses pour que les gens te voient, est-ce que c'est pour espérer de leur part quelque chose parce que tu fais la prière? Tu ne vas rien obtenir parce que tu fais la prière des gens. Est-ce que tu crains quelque chose de leur part si tu ne fais pas la prière? Non plus. Comment ils font pas la prière? Personne ne parle avec eux. Donc celui qui fait rien, aujourd'hui, ce n'est pas comme avant. C'est différent. Là, aujourd'hui, c'est liyam dahahu nas. C'est pour obtenir de la part des gens des compliments, des éloges. Waouh, mashallah, il fait la prière. Oh, mais pourquoi quelqu'un qui prie avec toi à la mosquée te complimenterait sur une chose que lui fait depuis des années? Pourquoi? Mashallah, tu fais la prière? Ben, moi aussi. Pourquoi? Où est l'intérêt? Il est où? Il n'y a pas d'intérêt dans ça. C'est comme le hadith que vous connaissez tous.
أثقل الصلوات على المنافقين الصبح والعشاء. Les prières, les prières les plus lourdes pour l'hypocrite, c'est celle du subh et de l'isha. Pourquoi? Parce qu'avant, ma kach le masajid, mudi atan, ma fesh al adwa, al munafiq wa ghayr al munafiq yatoun al masjid wa yusallun wa la yara ba'dhum ba'dha. Fayaftaqidu ghayatah. Le munafiq innama yati al masjid li ajli an yarahu an nas, hatta ya'manahum. أو حتى يأمن منهم. لكن إذا أتى في وقت لا يرى فيه أحد أحدا أين بغيته؟ Le hadith de Subh et de l'Isha, pareil. Ce hadith-là aujourd'hui doit être compris différemment. Doit l'adapter. Parce que les hypocrites de l'époque, ou même hatta de façon générale, pendant longtemps dans les mosquées, il n'y avait pas d'éclairage. Il n'y avait pas de lumière. Regardez là, non seulement c'est les Isha, mais en plus on est dans le sous-sol. Et on se voit tous très bien. Qu'est-ce que vous êtes beau, machin. Et Lakin, avant il n'y avait pas ça. Le monafiq, on a dit, lui, il veut qu'on le voit. Là, je suis des vôtres, hein. Un ami le com, un matravoche, hein. Je suis avec vous. Hein. Il fait ça, lui. Et le monafiq, d'ailleurs, toujours il insiste. Parce qu'il a peur de se faire découvrir. Yahsabouna kulla sayhatin. Alayhim. Dès qu'il y a un cri qui retentit, ils croient que c'est pour eux. Oh, ça y est, on m'a grillé. Ils sont comme ça, les hypocrites. Ils ont peur. Parce qu'ils ont peur qu'on les dévoile, qu'on les trouve. Qu'on les démasque. Alors, dès qu'il y a quelqu'un qui crie, ils pensent que c'est contre eux. Ça y est, ils nous ont trouvés. Ils sont comme ça. Donc là, Subh al-Isha, avant pas de lumière, ils venaient quand même. Qu'est-ce qu'il a dit, Ibn Mas'ud radiallahu anhu ? Wa laqad ra'aytuna wa la yatakhallafu anha illa munafiqul ma'lumun nifaq. Je nous ai vus en parlant des sahaba radiallahu anhum et ne délaissaient la prière à la mosquée qu'un hypocrite dont l'hypocrisie était connue. Et pas de doute là-dessus. Ah lui, c'est un hypocrite. Donc les munafiqins, ils ne voulaient pas se faire démasquer. Alors ils venaient. C'est pour ça que c'est les prières les plus lourdes pour eux. Athqalus salawat alayhim. Il arrive dans le moment de la prière et il prie à la mosquée. Mais il n'obtiendra pas ce qu'il recherche de la part des gens qui le voient. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, Subh à la mosquée, on dirait que t'es un salih. Tu sors de la mosquée, tu croises quelqu'un dehors, t'es où? Au masjid. Mashallah, tu fais Subh à la mosquée. Et on dirait que t'es... Waouh. Toi, tu crois après, t'as vu? Bien, tous les jours en plus. Hein. Premier rang, j'arrive 10 minutes avant la tête. Tabarak avec ça fait. Oh. Et là, le truc. Donc là, avant, c'était pour se faire voir. Là, maintenant, c'est pour se faire complimenter. Aujourd'hui, l'Isha, qui ne vient pas faire la prière à l'Isha à la mosquée? Les gens, ils viennent. On est samedi. Il est 19h. C'est à côté de chez toi. Tu viens. Est-ce que ça veut dire pour autant que tu ne fais pas partie d'eux? Là, c'est plus la même chose. Idem, le principe de riya, d'ostentation, il faut le mettre à sa place. C'est une action que l'on accomplit pour que les gens nous voient ou pour qu'on obtienne de leur part des compliments, des éloges. Ah, mashallah. Et ça, généralement, se fait dans les actions que peu de gens accomplissent ou dans les actions qui ne sont pas obligatoires. Les actions qui ne sont pas obligatoires. Donc il n'y a pas de riya dans ces actions-là. La prière à la mosquée, il n'y a pas de riya dedans. Sauf si la personne fait ça pour qu'on le complimente. Mais comme je t'ai dit, pourquoi je te complimenterais quand tu vas à la mosquée? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait d'exceptionnel? Tu n'as rien fait d'exceptionnel. Tu es venu à la mosquée. Tous ceux qui sont là, ben, ils sont comme toi à la mosquée. Tu as fait raka'atayn. Tous ceux qui sont là, ils ont fait raka'atayn. Tu vas faire la prière en groupe. Tous ceux qui sont là, ils vont faire la prière en groupe. Dans quoi tu t'es distingué d'eux? Dans quoi? Dans rien. Donc il vient te voir et dit, ouais, je sais pas, je suis chez moi, et il est chez lui. Il a peur de rien. T'as peur quoi? Les murs, ils te voient. Faites attention, parce que le problème, c'est que Shaitan, il rentre par ce bébé-là. Il te fait des suggestions qui vont te rendre fou. Et à la fin, tu fais plus rien.
T'es là en train de te dire quoi? Ah non, j'ai peur de faire les choses pour les gens. Yahri, qu'est-ce que tu fais, Aslan? Tu fais quoi? On dirait qu'il t'aime le Coran tous les jours, on dirait qu'il fait qu'il aime l'île toutes les nuits, on dirait que tous les jours, il fait rien. Il fait rien de plus que toi et moi. Rien. Les salafs, ils ne laissaient pas les gens croire d'eux des choses qu'ils ne faisaient pas. C'est comme dans le hadith de Abdurrahman ibn Imran, il était avec Saïd ibn Jubayr, Ahmadullah alayhima, il lui dit, Saïd ibn Jubayr, il leur dit, « Man ra'a minkum al-barihata shihab al-thaqib » Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui a vu la nuit dernière une étoile filante? Ben là, il a dit, moi. Après, il est resté comme ça. Il a regardé les autres, il a dit quoi? « Amma ana, falam akun fi salah. » باش ما يخليش الناس يتوقعوا بانه ما شاء الله كان يقظان لانه كان مشغولا بالصلاه والناس نيام لا il leur a dit moi je l'ai vu l'étoile filante la nuit dernière après il a regardé à droite à gauche il leur a dit hey, faisait pas la prière hein. Pour pas que les gens y croient que il faisait qiyam al-layl il priait la nuit c'est comme toi des fois tu reçois des trucs sur ton téléphone à 3h14 du matin tu vois je ne sais pas où là après ils ne dorment pas les gens quoi. Après, tu regardes. C'est un rappel, oui, Cheikh, il a dit je sais pas quoi. Après, tu es en train de dire, Mashallah, le frère, il est en train de faire talab al-ilm, il est là en train de. Tu es en train de dormir, il est là en train de déplucher les koutoubs. Il a trouvé une faïda comme ça et il l'envoie au frère à 3h14 du matin. Ça peut attendre au sahabi. Laisse-nous dormir. Voilà, ça c'est des choses, faut pas faire des choses comme ça. Laisse pas les gens croire de toi des choses qui ne sont pas vraies. J'ai vu le hadith, un Nabi sallam qal. من تشبع بما لم يعطى ألبس ثوبي زور يوم القيامة أو كما قال عيسى محمد في صحيح مسلم celui qui se fait rassasier qui se rassasie de ce qu'on ne lui a pas donné on lui fera porter deux vêtements de menteur le jour de la résurrection علاش t'es là مثلا t'es à la mosquée t'es au premier rang t'es comme ça, les yeux qui piquent comme ça, parce que t'as passé la nuit sur Fortnite ou bien sur Netflix. Et comme t'as pas dormi de la nuit, t'es arrivé le premier à la mosquée. Et là, il y a un taïeb, il vient de voir, il dit, Mashallah, le premier au mesjid, t'as des cernes. Toi, t'as dû faire qiyam al-layl, toi. Après, tu dis, Allah musta'an. Hada baynu bayn Allah. Hein? Là, il a pas dit c'est faux. Il a pas dit c'est vrai. Mais il a pas dit c'est faux non plus. Shift. Ça c'est encore pire ça. C'est encore pire. De faire croire aux gens ce qu'on n'est pas. C'est pour ça mes frères, j'arrête pas de vous le répéter. Il y en a sûrement qui doivent me prendre pour un comique, pour un rigolo, pour quelqu'un qui sort d'un cirque. Faut pas se forcer à être ce qu'on n'est pas. Si Allah Ghalib t'es un comique, et ben reste un comique. Amma tu viens, tu te forces à être ce que tu n'es pas. Ça c'est le début des mauvaises choses. Et il y en a beaucoup qui font ça malheureusement. Ils croient que quand ils arrivent à la mosquée, ils commencent à faire la prière, ils commencent à porter la sunna, ils croient qu'ils doivent changer de personnalité, c'est faux. Chez les sahaba, radiallahu anhum, on avait tout. On avait des hommes qui étaient sérieux, qui ne rigolaient pas, qui restaient dans leur coin. Et on avait qui étaient avec les gens, qui rigolaient et qui plaisantaient. Dans Sahih Muslim, dans le hadith, les sahaba, radiallahu anhum, après la prière de l'Fajr, après Shuruq, ils se racontaient leurs anecdotes respectives. Moi avant je faisais ci, moi avant je faisais ça. وَرُبَّمَا يَضْحَكُونَ وَالرَّسُولُ مَعَهُمْ لَا يَزِيدُ عَلَى الْإِبْتِسَامَ. Ils se racontaient leur vie respective. Et ils rigolaient des fois, à la mosquée, après Shuruq. Et le prophète il restait avec eux, il souriait, il ne rajoutait pas plus que cela. Sahaba ils mangeaient du bittir. Ils mangeaient du melon, de la pastèque, quand ils finissaient, ils se les jetaient dessus. ولكن اذا كانت الحقائق هم الرجال كما جاء في الحديث mais quand on a besoin d'hommes c'était eux les hommes c'est pas comme nous on a dit ibn Omar رضي الله عنه هل كان الصحابه يضحكون قال نعم ولكن قلوبهم كالجبال ولكن ايمانهم في قلوبهم كالجبال est-ce que les sahaba ils s'amusaient rien oui mais dans leur cœur la foi était comme des montagnes. Amma t'es là, tu te fais passer pour une montagne alors que t'es qu'un caillou. C'est pas la peine ça. An-nasu ma'adin, comme j'ai dit dans le hadith, les hommes sont des minerais. Comme ma'adin al-dhahab wal-fidda. Comme l'or et l'argent. Wa fi qawli al-hukama, 'inda
حقائق الأمور تظهر معادن الرجال. C'est lors des vraies situations que le minerai dans lequel tu es forgé, il apparaît. Ah, c'est facile là. Tout va bien. Tu es tranquille dans ton coin, personne ne t'embête. Personne ne te demande rien. Tu vas à la mosquée, tu salles, tu rentres chez toi, tout va bien. C'est facile de faire le vrai. Mais c'est pas là qu'on voit les vrais. C'est quand il y a des fitaines. C'est quand les gens ils sont éprouvés. Là, on voit les vrais minerais des gens. Tu ne forces pas à être ce que tu n'es pas. Dans le hadith que vous connaissez tous, le hadith de Aïcha radiallahu anha, j'arrêterai la suite. حديث عائشة رضي الله عنها الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف كلكم تعرفون هذا أو تسمعون هذا الحديث شاهدين هذا الكل les âmes des humains sont des troupes des armées en troupes جنود مجندة des troupes par milliers celles qui se reconnaissent s'unissent et celles qui ne se reconnaissent pas se séparent. Ce hadith est dans Qissa. Il y avait une femme chez les Sahaba à Mecca. Elle était connue pour être toujours de bonne humeur, toujours à rire, toujours à plaisanter avec les gens. Elle faisait rire les gens. Elle faisait rire les gens. Puis elle a fait la hijra à Médine. Elle s'est retrouvée à Médine. Et elle s'est retrouvée à Médine avec des gens avec qui elle riait et avec qui elle faisait rire. Et Aïcha radiallahu anha, elle a parlé au prophète sallallahu alayhi wa قالوا تي هذه المرأة كانت تضحك الناس في مكة وهي الآن تضحك الناس في المدينة. سبحان الله فام لا في زيغيغ لي جون على مكة ومتنو لي فيغيغ على مدينة. تقول الرسول الله تقول فو با كيغي فو با كيفاش غيغ لي جون نو غي با لا با دو سا. إلى جي الحديث الأرواح وجنود مجندة. فوالا. لي زام سون دي زارمي أون تروب. كومون سي روكونيس مكة سي روكونيس مدينة إي بي ريست أنسومبل. إي ريست أنسومبل. شاهد. Quand tu commences à vouloir être autre chose que ce que tu es, là, pose-toi des questions sur ton intention. Pourquoi tu fais ça? Pour qui tu fais ça? Tu veux que les gens disent quoi? Ah, le frère, mashallah, il est droit. Ah, c'est bizarre ça. Si ce n'est pas ta vraie nature, ne te force pas à être ce que tu n'es pas. C'est comme si tu te mettais devant un pommier et tu lui demandais qu'il te fasse des poires. Un pommier ne te donnera pas autre chose que des pommes. Même si tu l'arroses avec du Fanta citron. Pourquoi j'ai dit ça, mais vous avez compris le truc. Al-Shahid, il est là. Il est là, la réalité. Nous, c'est beaucoup perdu dans ça. C'est beaucoup perdu. Parce qu'on croyait que les sahaba, les salafs, c'était des gens qui faisaient toujours comme ça, des visages fermés, rigolaient jamais, ils étaient durs, ils parlaient avec personne. On croyait ça à l'époque. Alors, on a fait ça, nous. On allait dans les mosquées, on parlait pas avec les gens, on les regardait de travers. Toi, t'es comme ça, et toi, t'es comme ça, et puis toi, et puis toi. Et on n'aimait pas les gens et les gens ne nous aimaient pas. Je vous parle de ça il y a 20 ans, je vous parle de ça. Puis après, on a commencé à se dire, attends, les salafs, finalement, ils sont comment ces hommes? Comment ils sont vraiment ces hommes-là? Alors on est parti regarder dans les couteaux. Et on voit des hommes comme Abou Bakr ibn Abi Dounia. Il disait, Abou Bakr ibn Abi Dounia, il voulait nous faire pleurer, il nous faisait pleurer. Il voulait nous faire rire, il nous faisait rire. Mohamed ibn Sirin, kana dhahakan bin nahar, baka'an bin layl. Il disait, il riait beaucoup le jour et il pleurait beaucoup la nuit. Hein? Les pleurs. Je veux dire, faire le sérieux, c'est facile. C'est à la portée de tout le monde. Surtout quand on est des bons acteurs, des bons comédiens. Ça, c'est facile. Mais le haqa'iq, les réalités, c'est quand chez toi, tu es tout seul. Quand chez toi, tu es tout seul, c'est là que ta vraie réalité, elle apparaît. Quand tu es tout seul avec ton téléphone, quand les lumières, elles sont éteintes, quand tu es tout seul devant ta télé, quand ta famille, elles sont parties dormir, quand tu es tout seul dans ta voiture, quand les frères, ils sont rentrés chez eux, c'est là que ton vrai toi, il apparaît. C'est pas quand tu es avec tout le monde et tu leur fais des sourires et tu fais l'homme qui vient de sortir, qui sort d'un livre, là. Non. C'est facile, ça portait tout le monde ça. Alladhinahum yura'un. Parce que s'il y en a qui font les choses pour qu'on les voit volontairement, eh bien il y en a qui, sans le savoir et sans le vouloir, ils font les choses pour qu'on les voit aussi. Fais attention. Ihdhar. Asallu Allah ta'ala an yujannibana al-riya'a wa al-sum'a wa an yu'idhana min al-nifaq wa ahlih wa an yaktuba lana al-ikhlasa fil qawli wal-amal wa an yaj'alana min al-sadiqin.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.